Désormais, tous les motards doivent obligatoirement porter le casque ainsi que leurs clients, mais aussi avoir une plaque d'immatriculation. C'est la décision prise lors d'une réunion tenue le 21 juillet entre le gouverneur Gentili Ngobila et le chef des motards de Kinshasa à l'hôtel des villes, après l'incident survenu le 18 du même mois sur la route poids lourd dans la commune de Limété. À cet effet, le premier citoyen de Kinshasa a déploré les comportements de motocyclistes dans les différentes artères de la capitale. Cette décision a été saluée par certains motards. Isabien, ministre Alobina Mabete, Isabien, ce total est un bon moussoussou. Motard, un vrai motard, il faut que l'année tinga. Faut que l'année tinga. Au moins, moto nanga, nazana plaque, moto nanga, nazana plaque, nalati casque, nazana pena 4 euros nanga. Donc, ce qui a babimisi permis bas, n'a reçu ma permis. Pour d'autres, par contre, le port obligatoire du casque par le client pourrait favoriser la propagation des différentes maladies contagieuses, notamment la COVID-19. Bazo salawana, eza penza kitokote, eza mabe makasi. Vous comprenez, eza kitokote. Eza bazo somba ba jeton, balobi moto e somba jeton, 500 francs. Par jour, 500 francs. Presque ba moto nyonso eza somba ba jeton, an calculer nombre ba moto an. Mbongo an ezo kende wapi? Casque koza la ka otie mutu sotie mutu sotie, il faut au moins motard, azala na casque. Là ça va na plaque na ye, c'est normal. Et on est poids lourd est saline. Le moteur est poids lourd, il est fan de poids lourd. Est-ce que ça a un sens? Et c'est un libre à revoir. Balobi qui a parti il y a le 20, il y a mois d'août, il y a un plaque. Ba revoir mes irouana, le 20 est à Pemben. On a bandé Kouana au Bazana, il y a un moto à Kala. Nous sommes des responsables, il y a une association à Batoua Moto. Toyebi qui est pour l'instant gouverneur général Kassongo Babengi si ba président de l'association na hôtel de ville, il y a une réunion là-bas. Ba me ka ko revoir makambo mususu. Ba meziro bazui na poids lourd. Ezara ba motaro ba fandaka majorité 80% na Kingabwa na Tiangu. Bangonyo so ba ko ikozwa ka boulevard Lumumba te ba ko kene pe poids lourd. C'est très important ça. Signalons qu'à compter du 10 août prochain, un contrôle régulier débutera sur toute l'étendue de la capitale selon le gouverneur Gentili Ngobila. En outre, ces derniers ont délimité les rayons de circulation des motards pour réduire leur accès au centre-ville.